Twetenda era tusomozebwa nti tubeere ebibala si bya kabandagala. Tubeere ebibala ebyengedde ebirimu kasukaali n'akawoowo. Tusaanire okusangibwa ng'ekyonziira ekiyise mu kabiga ak'omuliro okuyimirira mu maaso ga Katonda ne kimuweesa ettendo n'ekitiibwa. Masaka Dayosisi emaze emyaka ebiri nga yeetegeka okujja okutukulembera wano, si kya bulijjo. Ne bwe tuzze oluvannyuma lw'emyaka ebiri, embeera gye tukulizaamu olunaku lw'abajulizi bannayuganda baganda baffe si eyo ya bulijjo. Eno oyinza okugamba nti yakyobeera, yakinyika golebbe, kinyika gobe temmuka, yakwewuunaganya olwa COVID-19. Katikkiro waffe mulengedde ng'atuuka yagituuma erinnya, ndowooza yalitandiikiriza Lumiima Mawuggwe. Embeera eno etumiimye, etunyigirizza. Tubeera babikubi babikonde, twaligambye nti etutadde ku migwa. Embeera ey'omwaka guno 2021 era ya njawulo olw'abakadde baffe abataali buzeewo wano. Bishop Odongo yali mugonvugonvu, oboolyawo ye tiyalibaddewo, omukama yamuyita. Bishop Kaggwa gwe naddira mu bigere yalibaddewo, alaba omulenzi gwe yasigira gwakulembera olunaku luno. Archbishop Cyprian Kizito Lwanga eyawoma omutwe mu kuweeyoota ekifo kino yalibadde naffe. Ng'abantu tugamba nti tibali naffe, ng'abakkiriza bali naffe era basanyufu, batusabira naffe tubasabire batuuke mu maaso ga Katonda baweeye ebyetaago byaffe tulamage bulungi olumu tubeegatteko bwakabaka obw'omu ggulu. Olunaku luno olw'abajulizi Papa Francis yatuwa ekibuuliriro mu mwaka 2015 ng'agamba tulukuze tutya, n'agamba nti mwe bazzukulu b'abajulizi bano Kaloli Lwanga Matia Mulumba ne bannaabwe Jerry Doirwa, obuzira bw'abajulizi timulowooza nti bwakuwanika ku midaala mu bifo era ennaku zino bye tuyita eby'ekkaddiyizo, nti obuzira bwabwe buteekwa okutusensera mu mutima ate ne tubwoleka mu bulamu obwa bulijjo. Yali atujjukiza enjigiriza ey'olukiiko lwa Vatikaano II nti buli mukristu akoowoolwa okusenseza omutima ogw'evanjiri wonna waali mu maka, mu masomero batikya gye musomesa, mu malwaliro abasawo gye mutubudaabudira naddala ennaku zino nga COVID alumbye, ky'okukkiriza okw'abajulizi kuteekwa okulabika mu nsi gye tulimu Uganda, nga kulabikira mu kwagala, okutambulira ku mazima n'obwenkanya, na buli omu okwegomba okubeera obulungi kwa munne. Tuteekwa okubeera mu nsi erimu okwesigangana. Mukadde wange Bishop Paul Ssemwogerere
yabadde yambaza abasirikale ba papa omukolo gwabadde gwa kitiibwa mu kutuyigiriza yatujjiddeyo ekigambo kino eky'okwesigangana n'agamba nti oyinza okugamba nti ndi mukristu nga ne bannange benkolagana nabo bakristu kyokka nga bwe mba ŋŋenda ku mulimo gye ŋŋenda nteekwa okugenda ne fulasika ya sukaali yakyaya ate ne ngikuuma butiribiri nti waba agikwatako nga sitegedde okwesigaŋŋana kiri kitya eyo maka gaffe chaplaincy ya paalamenti mbaaniriza nnyo mwawagira omulimo guno okuva lwe gwatandika nga Masaka agenda okukulembera Namugongo n'abakungu ab'Emmengo naffe ffenna buli omu gye yavudde kino ekigambo kinene kyakulowoozaako tuba twoleka nti tuli mu nsi eyafukirirwa omusaayi gw'abazira bano kaloli lwanga Matia Mulumba ne bannaabwe nga sitwesigaŋŋana embeera eno ya ssenyiga Lumiima Mawuggwe tugiyingiremu nga tujjudde okukkiriza okufa kutukosa mu mutima okw'abaagalwa baffe abaaliwo mu budde bw'abajulizi kyali kikangabwa naye omuwandiisi w'ekitabo eky'amagezi atugambye ng'atugumya emyoyo gy'abatuukirivu Katonda agiwanirira ebibonobono by'okufa tibigituukako mu maaso g'abasiru balabika ng'abazikiridde so nga mazima batebenkedde mirembe Mukama yabageza ng'azza waabwe bw'atukuzibwa mu kabiga n'alaba nga bamusaanidde olunaku luno twalonda omulamwa timuterebuka abajulizi bano kye batuyigiriza okukkiriza kwe kwabayamba okusoma nnyini obutakoowa okukkiriza kwe kwabayamba okusoma nnyini obutakoowa ne muleka ebingi ebyali biwabya tusaba tuleme okuterebuka kwaya mu kiddemu Mukama waffe atukuutiridde mu vanjiri empeke y'eŋŋaana bw'etagwa mu ttaka n'efa esigalanga bw'eri naye bw'efa lw'ereeta ebibala tugume mu byonna ebitunyiga mu kukwata ebiragiro bya Katonda tugumye mu byonna ebitunyigiriza okutuusa okwagala kwa Katonda ku bantu bannaffe tujja kubala ebibala olunyiriri oluddako awo mu vanjiri etusomeddwa Kristo agamba nti bwe ndimala okuwanikibwa olwo ndizza bonna gye ndi Kristo ng'awanikiddwa atusikirize atusendesende emitima gyaffe gisimbe mu kisinde ekyo abajulizi bano nga batuwolereza ekigambo ekitugumya ekirala obutaterebuka tulina abazira abatuwolereza abajulizi bannayuganda 24 abatawolereza ffeffekka abawolereza ekereziya mu nsi yonna n'ensi yonna obubonero bubiri bwe njagala tulowoozeeko nga balangirirwa mu bwesiimi Papa Benedicto ow'15 Ssematalo ow'oluberyeberye nga yaakaggwa ekereziya yali mu kayuuguumo ensi naddala mu mawanga ag'e Bulaaya ng'eri mu kasattiro
Zendo zanti katonda nemo yowe ali kereza obulambwe kerezi atutukuza nali okafuira Pop Benedict wa 15 ali jeyo abajulizi bano aboleke ensinga balangirira mu lubulu abesimi yalinga abakowola nti abange muwanka wanka mutagala muddeno neri abebyo bufuzi mukole enkiiko ezokuza emirembe ngatabala ati mwesiga bannammwe naye abasajja bano bakaddugala bali maaso ga Katonda balina kye basobola okukola mubasabe ensi ejja kudda mu nteeko. Akabonero akokubiri Papa Paulo ow'omukaaga yalangirira abazira baffe bano abazira bano bibazira bennyini abazira baffe bano mu mwaka 1964 olukiiko ttabamiruko lwa Vatikano ow'okubiri nga lwakaggwa enkyukakyuka nga zireese engeri y'omuyaga mu kutegeera okwangu mu Ekereziya abakristu babagamba mubadde musoma mutundudde ku kisenge kakati omusoosolo oti ajja batunuuliranga mubadde musoma mu Lulatini lwokka naye musome ne mu nnimi ezammwe enzaaliranwa kasita ebyo musoma bibanga biri ku musingi gw'e Roma. Abakristu oba buli mubatize wonna w'oli sense zaawo omutima gw'evanjiri naddala mu abakristu obukristu eyo gye mukolera amasomero gye musomesa amalwaliro gye mukolera obusuubuzi n'ebirime nabyo mubikwate nga ebiriko akabonero ka Katonda wonna wonna evanjiri esenserewo abantu abamu nga batidde ne bagamba nti kinaaba kitya kino Ekereziya eyingire mu buli kintu mu ngeri eno enaaluwona tebbire oba tibaagimire. Papa Paulo nze nalowoozezza ngera njagala nammwe kye mba mugenda nakyo yalinga agamba ensi naddala ffe abakkiriza abagoberezi b'abakitaffe abo abali mu lukiiko lwa Vatikano ow'okubiri nti Timotiya bano abazira bannayuganda basajja baddugavu kyekisooka naye ekisinga byonna bajulizi ate abajulizi abakola ku nsonga ez'omuggundu mu mbeera eyakatundu obutundu nekensi yonna mu mbeera y'ekereziya ekitundu ekereziya mu Uganda naye ata n'ekereziya mu nsi yonna ne batuukirira batuwolereza tuli mu budde obw'okunyigirizibwa COVID-19 naffe mu kwenyigiriza nga sitwagaliziganya mirembe abajulizi bano abazira eyo ye daily business yaabwe ye daily bread yaabwe twetaaga kimu okuddukira gye bali nga tujjudde okukkiriza batuwolereze okukkiriza Bonjour et bonne fête. Voici un petit résumé pour nos frères et sœurs les francophones. Le Père évêque nous a salués
et nous souhaite une bonne fête des martyrs de l'Ouganda. Il a fait remarquer que la célébration de cette année est spéciale à cause du fléau du COVID-19. Ceci, ça se voit même dans notre petit nombre présent ici à Namugongo aujourd'hui. C'est vraiment le corps du Christ démembré. Monseigneur a aussi mentionné que quelques personnes qui sont mortes depuis la dernière fois que nous étions ici à Namugongo pour la même fête. Par exemple, l'archevêque émérite de Tororo, Jacques Odong, l'évêque émérite de Masaka, Monseigneur Jean-Baptiste Kagwa, l'archevêque Dr Cyprien Kizito Luanga et beaucoup d'autres. Nous prions pour eux. Le Père évêque nous a rappelé le thème de notre célébration de cette année, qui est « Il ne faut pas désespérer » ou bien « Il ne faut pas perdre cœur » tiré de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Même au milieu du fléau, il ne faut jamais perdre cœur. Prenons l'exemple de nos martyrs. Ils ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup de défis, mais ils n'ont jamais désespéré. Grâce à leur foi solide, ils sont toujours prêts à participer dans la croix de Jésus-Christ. Ensuite, Monseigneur nous a rappelé le message du pape François quand il est venu ici en Ouganda en 2015. Le pape nous a avertis de ne pas mettre l'héritage de nos martyrs dans les étagères du musée, mais plutôt de témoigner comme ils ont fait, en vivant une vie pleine d'amour, pleine de justice, paix et réconciliation. C'est ça la vraie commémoration de nos martyrs. Sans ça, notre célébration n'a aucun sens. Monseigneur nous a dit que c'est normal que nous manquions la joie et la liberté dans cette situation du fléau du COVID-19. Mais il faut sortir de cette situation de contrainte avec une foi plus vivante et avec plus de confiance en Jésus-Christ, à qui nos martyrs de l'Ouganda se sont attachés fermement, et grâce à ça, ils ont maintenant la paix que seulement le crucifié peut donner. Toujours en faisant référence au thème de cette année, de ne pas désespérer, il nous a rappelé que la béatification de nos martyrs a eu lieu juste au moment après la Deuxième Guerre mondiale. En ce moment-là, la vie n'était pas facile, mais en même temps, ça a été le moment quand l'Église a insisté sur l'évangélisation dans les pays de mission. Donc, le pape Benoît XV a profité de la béatification des martyrs de l'Ouganda pour montrer à l'Église universelle et au monde entier qu'on pouvait compter sur l'intercession de ces martyrs pour le renouvellement du monde qui avait été dévasté par la guerre, pas seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Même chose pour la canonisation. Cela a été fait à la fin du Concile Vatican II. Le pape Paul VI a lui aussi profité de cette canonisation pour montrer à ceux qui doutaient la possibilité de réaliser les nouveaux changements annoncés par le Concile. Le raisonnement du pape a été celui-ci. Si les Africains ont pu subir les martyrs, quelque chose que beaucoup pensaient impossible en ce moment-là, pourquoi pas nous aussi réussir vis-à-vis les nouveaux changements proposés par le Concile? Sûrement, avec l'intercession des martyrs, c'est cela possible. N'ayez pas peur, donc. Comptez sur leurs prières. Oui,
Ils sont africains, mais ils sont aussi martyrs. En conclusion, le Père évêque nous a invités de nous confier à l'intercession de nos martyrs pour que nous menions une vie juste et pour que nous ayons la vie en plénitude comme notre Seigneur nous a promis. Bonne fête. We stand to profess our faith.